representing France, Julien Simon. Il est là, le premier. Le premier globe, très certainement d'une longue série. En tout cas, celui-ci est celui de la Mastart. Dans quelques instants, il y aura celui de la poursuite. On va rembobiner, hop, on va revivre exactement la même scène parce que Julia Simon décroche également le globe de la poursuite. Julia Simon. Félicité par Ole Dahlin, le président de la Fédération internationale de biathlon, l'IBU. Et de deux, un petit troisième pour la route. Ah, le meilleur. Un gros troisième pour la route. Is here with a ceremony for the women's BMW World Cup total score. Le fameux total score, le classement général. Representing France, Julia Simon. Il va falloir faire de la place dans l'armoire à trophées. Il y a déjà en plus une médaille d'or mondiale aussi, on s'en souvient, sur la poursuite. C'est la Marseillaise qu'on entend. Et Edith Piaf dans, pour la, la solo, pour la musique. La vie en rose, non ? La vie en rose, bien sûr. Le public qui chantait la Marseillaise et la solo qui envoyait Edith Piaf. Bien sûr qu'elle peut voir la vie en rose, Julia Simon. Ça doit se bousculer dans, le, dans la tête de Julia Simon, Alexis, avec ces deux globes de discipline et le globe de cristal. C'est sûr que c'est une belle saison qui est concrétisée et enfin, on le matérialise vraiment avec ces trophées qui sont le symbole de ce qu'on a réussi. C'est vrai que quand on a des points sur des classements, on ne se rend pas toujours compte. Par contre, quand on a ce genre d'objet entre les mains, là, on se rend compte de ce qu'on a réalisé. Et voilà, elle en a trois pour elle, dont le gros globe. Tout simplement, c'est elle qui a dominé cette saison. Et là, on le voit avec une régularité. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu de fait super marquant dans sa saison. Il y a quand même des très belles courses. Il y a une titre de championne du monde. Il y a un titre de championne du monde. Mais c'est surtout sur sa régularité qu'elle va le chercher, celui-ci. Et donc, bravo pour ça. Et maintenant, bah, le temps de célébrer, de profiter. Elle va enfin pouvoir sur la suite.